politique économique du gouvernement et les syndicats, le Premier ministre poursuit ses consultations. Aujourd'hui, Edmond Maire de la CFDT et Jean Bornard de la CFTC, oui au langage de vérité, non à la cascade des hausses. Nouveau record pour le dollar, la devise américaine frôle les 8,90 francs aujourd'hui à Paris. Légère accalmie sur le front des incendies au sud de la Loire, sauf en Andorre. Inquiétude pourtant ce soir aux abords de Lyon et de Saint-Étienne. Jeux olympiques, les États-Unis en tête dans la course aux médailles. Au programme aujourd'hui, cyclisme, natation, boxe et gymnastique. Des épreuves que vous pourrez suivre en direct sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 8h du soir en France, 11h du matin à Los Angeles. La deuxième journée des Jeux Olympiques 84 vient donc de commencer dans la capitale californienne. Plusieurs épreuves sont au programme et c'est en direct, compte tenu du décalage horaire, que vous pourrez suivre les principales d'entre elles cette nuit sur Antenne 2, l'après-midi là-bas étant bien sûr la nuit chez nous. Première épreuve importante, le cyclisme sur piste, qui se déroule en ce moment même. Alors où en est-on, Alain Vernon ? Eh bien Christine, ce sont les épreuves des qualifications de la poursuite individuelle que vous découvrez. Il est donc, vous le disiez, 11h à Los Angeles. Cette épreuve décapitée, j'allais dire, en l'absence des soviétiques. Le champion du monde qui est un soviétique, Kupovets, n'est pas là. Et en son absence, donc, c'est l'allemand Rolf Golf qui fait figure de grand favori. Deux Français sont engagés dans cette discipline, Pascal Robert et Éric Louvel. Mais le plus important ce soir, à partir de minuit 20 sur Antenne 2, c'est la finale du kilomètre. Et dans cette finale du kilomètre, où l'on retrouvera des Français. Vous aurez les commentaires de Robert Chapatte et de Gérard Rolls. Donc retenez bien, à partir de minuit 20, la finale du kilomètre. Pour l'instant, ce sont donc les qualifications de la poursuite individuelle. Oui, donc cette nuit, à partir de minuit 20, notre antenne restera ouverte jusqu'aux petites heures du matin pour vous permettre de vivre en direct les principales épreuves de ce lundi. Vincent Guérard nous en annonce le programme. Cinq finales au programme et suite de l'affrontement États-Unis Michael Gross, l'Allemand de l'Ouest, déjà une fois médaille d'or, en direct cette nuit. La piste après la route, épreuve du kilomètre où s'alignent deux Français, Collat et Boyer, en différé à partir de 0h20. Début de ce sport olympique par excellence, gréco-romaine ou libre dans les deux styles, japonais et sud-coréen favoris, demain dans sport été. Entrée en lice du Pakistan, champion du monde en titre, favori avec l'Inde, seul trouble fait possible, l'Australie. Début des séries pour les femmes, un espoir seulement côté français, le 4 de couple avec Barreur. À partir de minuit 20 donc, rendez-vous avec le service des sports d'Antenne 2 pour vivre en direct certaines de ces épreuves. Nous reviendrons tout à l'heure sur le bilan de la journée d'hier à Los Angeles. C'est un nouveau record du monde qui a été battu aujourd'hui sur les places financières. Le dollar a encore grimpé par rapport aux principales monnaies. La devise américaine a atteint aujourd'hui les 8,89 francs à Paris. Mais le franc n'est pas la seule monnaie à souffrir de cet accès de fièvre qui s'explique par la forte croissance de l'économie américaine et par l'évolution attendue des taux d'intérêt. Jean-Claude Renaud. Une reprise économique soutenue aux États-Unis, une inflation qui baisse et des taux d'intérêt élevés, voilà les trois moteurs qui tirent actuellement le dollar vers le haut. Les spécialistes n'osent même plus parler de record. Ils savent que la devise américaine ne s'arrêtera pas là. 5,43 francs en moyenne en 81, 6,58 francs en 82, 8,89 francs aujourd'hui, pourquoi pas 10 francs demain. Il pourrait très bien passer la barre des 10 francs avant la fin de l'année. Il n'y a absolument aucune limite. Dire que le dollar est trop cher par rapport à quoi, trop bon marché par rapport à quoi, c'est un produit qui est demandé, qui est stocké, c'est une marchandise. Les Européens peuvent protester, rien n'empêche l'ascension du billet vert qui s'apprécie par rapport à toutes les monnaies, ou presque. Pour les Français, cela signifie des prix plus élevés pour 40% de nos importations, le pétrole bien sûr, mais aussi l'équipement électronique ou les moteurs d'avion. Des importations qui vont peser sur l'indice des prix. Plus grave encore, même si les entreprises françaises exportent plus aux États-Unis, le dollar trop cher risque de compromettre la reprise en France. Bien, la hausse du dollar aggrave la contrainte extérieure. Cela signifie qu'elle réduit l'autonomie de la politique économique française. Car en effet, la politique de rigueur avait pour objectif de rééquilibrer les échanges extérieurs. Si la hausse du dollar
conduit à un déficit accru, elle implique que l'on tente de réduire les importations. Cela signifie que l'on maintienne la rigueur des deux années précédentes. Dans l'immédiat, la hausse du dollar va se traduire pour nous par une augmentation du prix des carburants. En effet, le prix du pétrole brut baisse, mais le dollar augmente plus vite. Résultat, le super devrait coûter 10 à 12 centimes de plus vers le 10 août. Le Premier ministre Laurent Fabius poursuit auprès des partenaires sociaux les consultations engagées vendredi dernier. Après la CGT et Force ouvrière, c'était au tour de la CFDT et de la CFTC d'être reçus aujourd'hui. Même réserve chez Jean Bornard comme chez Edmond Maire, qui insiste sur les dangers des hausses comme sur les dangers d'une modernisation au détriment de l'emploi. D'une façon plus générale, nous avons demandé que la priorité absolue soit l'emploi. Pas seulement l'emploi comme résultante de l'action de recherche, d'investissement ou de formation, mais une politique spécifique d'emploi. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, plus de 100 000 jeunes qui ont 1200 francs par mois, qui n'ont pas d'autres droits, et à qui il faut trouver des moyens d'avoir une activité, même par des procédures exceptionnelles qu'on est prêt à discuter. Nous voulons une incitation à la réduction de la durée du travail, mais d'une façon plus générale, l'emploi pour nous doit aussi relever d'une volonté gouvernementale. Nous ne voulons pas d'un néolibéralisme, même teinté de social. Nous avons commencé par dire à M. Fabius que ce que nous avions apprécié le plus dans sa déclaration générale devant le Parlement, c'était qu'il ne ferait pas d'autre promesse que de dire la vérité. Après tous les retournements que nous avons connus, ça nous paraît appréciable. Mais nous avons également dit au Premier ministre que nous ne comprenions pas qu'après une telle déclaration, on annonce simultanément un allègement des prélèvements obligatoires et en même temps toute une série de cascades de mesures, de hausse de tarifs, d'augmentation de charges, car il y a là, nous semble-t-il, une contradiction profonde. Monsieur Fabius recevra jeudi les représentants de la FEN. C'est au moment où le Premier ministre rencontre les syndicats que le Parti communiste décide de durcir le ton vis-à-vis du nouveau gouvernement. On n'en est plus déjà à l'abstention dite positive des élus communistes sur la déclaration de politique générale de Laurent Fabius mardi dernier. En deux jours, Charles Fitterman, André Lajoigny et Paul Laurent n'ont pas ménagé les critiques. Paul Amar. François Mitterrand et Laurent Fabius sont désormais prévenus. Ils auront à combattre sur deux fronts, contre deux oppositions. L'offensive des communistes, qui tient du pilonnage, a dû tout de même les surprendre. Le parti avait en effet laissé croire à un soutien sans participation, autrement dit, retrait du gouvernement, mais pas de rupture pour autant, pas de divorce. L'Union libre plutôt, très libre, si libre qu'elle permet tout, et le PC ne s'en prive pas. Hier encore, il soupçonnait. Aujourd'hui, il condamne la rigueur, le chômage, les hausses de l'essence, du téléphone, du métro et même le référendum. Plus rien ne trouve grâce à leurs yeux. Il suffit de lire l'Humanité. Du coup, les socialistes doivent se sentir bien seuls. Le RPR plus l'UDF plus le PC, cela fait beaucoup. Ce qui les console, c'est qu'ils ont réussi en quelques semaines à desserrer l'étau. L'annonce du référendum, le retrait du projet sur l'école et la nomination de Laurent Fabius ont permis au chef de l'État de transformer le climat et de prendre un avantage, surtout psychologique, seulement psychologique. Les socialistes, même s'ils dominent encore l'Assemblée nationale, pourront difficilement, à terme, constituer à eux seuls une majorité politique. Et si le PC fait défaut, François Mitterrand devra bien s'appuyer sur une autre majorité, qui corresponde davantage à sa nouvelle démarche, mais elle reste pour l'instant introuvable. En ce qui concerne le projet de référendum, les sénateurs de l'opposition doivent se réunir à nouveau demain pour tenter de trouver une attitude commune. Le mariage sera officialisé demain, mais le contrat est prêt. Les deux réseaux, Carte Bleue et Crédit Agricole, vont être unifiés. Les quelques 12 millions de Français, détenteurs de l'une des deux cartes de crédit, pourront utiliser indifféremment les deux réseaux, mais pas avant un an et demi au moins. Il y avait jusqu'ici la Carte Bleue, la reine des cartes, la plus ancienne. 4 millions de personnes la possédaient. Il y avait aussi la Carte Verte, celle du Crédit Agricole, plus discrète et pourtant plus répandue, 6 millions de personnes. Désormais, ces deux cartes vont se marier. La nouvelle carte s'appellera toujours CB, mais pour carte bancaire. Elle sera bleue ou verte, selon ce que vous avez déjà.
Vous pourrez l'utiliser indifféremment sur le réseau Carte Bleue ou Crédit Agricole, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des banques, dans toutes les caisses d'épargne et dans tous les guichets des postes. Vous pourrez l'utiliser également dans tous les distributeurs de billets et auprès des commerçants qui acceptent le paiement par carte. Ce mariage est une grande première. C'est le premier pas vers la carte unique. À mémoire, cette fois, la puce remplaçant la bande magnétique que vous connaissez. Avantage également pour les banques, des économies très importantes, car le traitement d'une carte coûte deux fois moins cher que celui d'un chèque. La riposte britannique au camouflet que lui a infligé vendredi dernier le Parlement européen en bloquant le remboursement décidé à Fontainebleau. À son tour, Londres annonce son intention de ne pas débloquer de fonds pour le budget de fonctionnement de la communauté tant que le Parlement maintient cette position. C'est ce qu'a affirmé tout à l'heure à la Chambre des communes le ministre d'État du Foreign Office. À l'étranger, l'actualité diplomatique ce soir a pour horizon l'espace, surtout et pour interlocuteurs les deux grands. Moscou et Washington poursuivent en effet leur partie de bras de fer sur la démilitarisation de l'espace. En juin dernier, on s'en souvient, les Soviétiques avaient proposé des négociations sur cette nouvelle dimension de l'escalade militaire. Les Américains disent oui, mais il faut renouer en même temps les négociations gelées par Moscou sur les armements stratégiques et les euromissiles. Hier, le secrétaire américain à la Défense, Gaspard Weinberger, a réaffirmé la position américaine, bloquant sciemment, selon l'agence TASS, les propositions soviétiques. Il y a donc peu de chances que des négociations s'ouvrent à Vienne en septembre prochain, même si elles s'inscriraient à point dans la campagne électorale du président américain. L'obsession de Moscou, pourtant, c'est la mise au point par les États-Unis d'un nouveau système d'armes, l'arme anti-satellite. Georges Bortoli. Si des fusées soviétiques ou américaines porteuses de bombes nucléaires étaient lancées vers le territoire de l'autre, l'autre répondrait par des fusées semblables. C'est pourquoi ni les Soviétiques ni les Américains ne tireront les premiers. C'est l'équilibre de la terreur. À cet équilibre, Ronald Reagan a proposé de la substituer autre chose. Si les Soviétiques lancent une fusée, nous la détruirons, dit-il, avant qu'elle n'atteigne notre territoire ou celui de nos alliés. Et M. Reagan de laisser entrevoir un programme futuriste. On pourrait mettre au point de puissants faisceaux laser émis depuis le sol, mais réfléchis par des miroirs spatiaux qui dirigeraient ce rayon de la mort à 300 000 km seconde vers la fusée adverse pour la détruire. On pourrait aussi émettre le laser directement depuis l'espace. Déjà, il est parfaitement efficace, tiré d'un bombardier contre un missile. Les projets, les possibilités ne manquent pas, depuis le satellite tueur crachant sa mitraille sur le satellite adverse jusqu'au canon à neutrons, en passant par la fusée venant percuter de plein fouet la fusée cible. Donc, M. Reagan a proposé, avec cette guerre des étoiles, de substituer à la riposte nucléaire des moyens défensifs et non nucléaires. C'est là que le projet est séduisant. On évite l'engrenage nucléaire. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, celui qui disposerait de cette parade absolue se sentirait invulnérable. Il serait donc tenté de se comporter en maître de l'univers. Deuxième inconvénient, ce programme, à supposer qu'on le mène à bien un jour, peut coûter dans les 1000 milliards de dollars. Autrement dit, le monde risque de s'y ruiner complètement. Troisième reproche fait au projet Reagan, les Américains dans cette course sont-ils sûrs d'arriver les premiers? Après tout, les Soviétiques ne sont pas mauvais eux non plus. Ce n'est pas la guerre des étoiles, c'est la réédition d'une forme de terrorisme pourtant en déclin ces derniers temps. Un avion vénézuélien a été détourné la nuit dernière de sa route Caracas-Curaçao. 87 personnes sont depuis 24 heures les otages de deux ou trois pirates de l'air qui exigent une rançon de 5 millions de dollars. Henri Bodiguel. C'est dimanche que ce DC-9, assurant la liaison Caracas-Curaçao, a été détourné. 87 personnes sont à bord et les auteurs du détournement auraient tiré plusieurs coups de feu qui auraient fait au moins une victime, à savoir un membre de l'équipage. Selon la police de l'air vénézuélienne, les pirates seraient au nombre de trois et ils réclament en effet 500 millions de dollars. Pour l'instant, les négociations se poursuivent tandis que l'avion est toujours sur l'aéroport de Willemstad, une des îles des Antilles néerlandaises. Arrestation près de Bayonne de l'un des chefs présumés de l'ETA militaire. Il s'agirait du numéro 2 de l'organisation basque espagnole, Eugenio Exteveste, qui résidait en Pays basque français depuis une dizaine d'années. Il a été arrêté par les CRS au cours d'un contrôle d'identité à Anglet.
Encore des actions anti-françaises en Espagne, aujourd'hui non plus en Pays Basque, mais cette fois en Catalogne. Une trentaine de voitures immatriculées en France ont eu les pneus crevés ce matin à Cadaqués. À Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, le climat des vacances est bien alourdi. Des habitants de l'île ont pris à partie hier dans un bal populaire de jeunes banlieusards, des maghrébins pour la plupart, qui passaient des vacances dans un camp aménagé dans le cadre de l'opération anti-été chaud, l'opération organisée par les pouvoirs publics pour juguler la délinquance de l'été dans les grandes villes. Un habitant de l'île a été blessé hier. Deux plaintes ont été déposées pour coups et blessures volontaires et propos racistes. Dans plusieurs régions de France et même dans les grandes villes, cette année encore, des opérations d'animation et de loisirs sont en cours. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, 2000 jeunes, des jeunes à risque, comme on dit, ont été pris en charge par les organisateurs. Michel Perrault. Martigues, la cité Boudem. Un grand ensemble avec toujours les mêmes problèmes, les mêmes mots. HLM, immigrés, jeunes, chômage, délinquance, insécurité. Auquel il faut ajouter en période de vacances le désœuvrement et l'ennui. Parce qu'à Boudem, je m'ennuie, je fais rien. Des fois, je joue au ballon. La plupart du temps, ça nuit. Les gens qui habitent dans la cité, ils réagissent comment lorsque vous jouez au ballon ou vous faites. Ils crient. Hein. Allez, à jouer ailleurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui déjà ont eu des problèmes, non? Ben, pardon, disons que ce chamaille, quoi, c'est un genre de bagarre. Vous la tenez comme ça, avec la main avant, vous lâchez, en donnant votre main. Alors, dans les communes autour de l'étang de Berre, tout le monde s'y est mis. Municipalité, sapeurs-pompiers, éducation surveillée. Voilà, c'est bon, photos, vélos, plongées et surtout planches à voile attirent ainsi chaque jour une quinzaine de jeunes de la cité. La main droite. Je crois que l'intérêt de l'activité, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir l'activité, et peut-être de mettre un réseau en place de façon à ce que si certains de ces jeunes veulent par la suite continuer l'activité, eh bien on les mettra en relation avec les différents clubs des communes de Martigues ou de Port-de-Boux. Et par les clubs, ils pourront faire de la planche à voile pour des tarifs raisonnables, me semble-t-il. Oh, tu demandes de trop là, hein. Dans les quartiers nord de Marseille, secteur réputé chaud, on est allé encore plus loin. Plutôt que de se constituer en bande, certains jeunes ont préféré créer des petits groupes de théâtre. Nous avons fait une réunion et avons demandé si ça intéressait à des filles de jouer, de faire un atelier. Comme ces cinq filles, par exemple. Est-ce que c'est elles participent ici à une émission de la radio locale Maritima, juste avant de se produire dans le cadre du festival de Martigues, au même titre que les troupes professionnelles. Les textes qu'elles écrivent elles-mêmes sont souvent le reflet de leur vie quotidienne. Les conflits avec la famille, par exemple. Non, elle se marie pas. Elle peut, si elle a des problèmes avec ses parents. Toujours ils sont derrière elle, en train de la merder. Et son frère, alors, n'en parlons pas de son frère. En sorte, on se bat contre l'incompréhension des parents vis-à-vis de leurs enfants. Je sais que moi, ce que je dis dans la pièce, j'oserais jamais le dire devant mes parents. Et là, bon, ben, je m'exprime, c'est une sorte d'expression. De l'humour, de la poésie, de la musique, des remèdes pour vaincre le découragement et l'incompréhension, souvent source de violence. Mais après, pour la plupart, restera la difficulté de trouver un emploi. Là encore, il leur faudra beaucoup de volonté pour résister à la tentation de la marginalisation et donc de la délinquance. La plus jeune greffée du cœur au monde à 9 jours. Cette opération sans précédent a eu lieu la nuit dernière à Londres. Le cœur d'un bébé hollandais de 3 ans a été greffé sur une petite fille âgée de 9 jours. Le cœur n'est pas beaucoup plus gros qu'un pruneau. L'état du bébé ce soir est satisfaisant. Retournons maintenant à Los Angeles pour les Jeux Olympiques. Les épreuves d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous pourrez les suivre en direct sur Antenne 2 à partir de 20h30. Tout à l'heure, la première journée hier a été décevante pour les Français. En revanche, les athlètes américains ont déjà amassé des médailles et la Chine est devenue pour la première fois championne olympique. Alain Vernon. Des muscles de géant, un dos plus large qu'une armoire, c'est Steve Lundquist, champion olympique du 100 mètres brasse à 23 ans et qui pousse l'insolence jusqu'à améliorer le record du monde de la distance. Mais Steve Lundquist, c'est aussi l'image de la suprématie américaine sur la natation mondiale depuis plusieurs années. Suprématie chez les hommes comme chez les femmes.
L'américaine Tracy Calkins remporte hier avec plusieurs longueurs d'avance le 400 mètres 4 nages. Elle s'octroie bien sûr la médaille d'or, mais aussi son premier titre olympique, améliorant du même coup le record des États-Unis. Enfin, les Américains ont installé leur supériorité dans une discipline traditionnellement dominée par les Européens. Doublé américain hier encore chez les dames, où Connie Carpenter et Rebecca Twigg raflent l'or et l'argent après 80 km de course. Et chez les hommes, c'est l'étonnant Alexis Grewal qui décroche au sprint le titre olympique devant le Canadien Bauer. Grewal qui étouffe toutes les ambitions étrangères sur les 190 km du parcours. Des ambitions qui pesaient peut-être trop lourd dans le camp français, bien mal parti hier. Philippe Bouvatier, le crack normand, s'est effondré sous la chaleur californienne. Bouvatier termine 29e seulement, à plus de 11 minutes du vainqueur. L'échec, mais aussi la malchance pour la France. Pendant que la télévision américaine offre les images de la victoire de Connie Carpenter, Jeannie Longo termine à pied en 6e position, son dérailleur a sauté à 300 mètres de l'arrivée. Avertissement sans frais en revanche pour l'équipe de France de football, tenu en échec 2-2 par le Qatar. C'est Garande, puis Zuereb en deuxième mi-temps qui marque, mais curieuse façon tout de même de rappeler, même si l'équipe est différente, que la France est championne d'Europe depuis un mois. C'est décevant, puisqu'on espère une victoire, débuter le tournoi par une victoire, mais vu les conditions finalement dans lesquelles sont passés le match, on est presque satisfait du match nul, puisqu'on préserve nos chances de qualification. Un coup au moral donc, et des coups de poing pour les basketteurs français en bleu. Déçus, battus 91-87 par l'Uruguay au terme de prolongation d'une rare violence. La France menait pourtant de 2 points à la mi-temps, mais la deuxième période a été catastrophique. Demain, France-Chine, déjà un ultimatum. La Chine qui précisément n'a pas manqué son retour sur la scène du Grand Théâtre Olympique. Premier titre pour le tireur Xu Haifeng. La révélation au pistolet libre. La Chine, qui n'en finit pas d'étonner, profite même de l'absence des pays de l'Est en haltérophilie pour décrocher une médaille d'or en catégorie 52 kg. Zheng Guoyang est un poids mouche. Il soulève pourtant 130 kg à l'épaule jetée. Enfin, au-delà de la révélation, la confirmation en gymnastique, une discipline où la Chine est championne du monde par équipe. Li Ning, aux exercices imposés, obtient plusieurs 10. L'élève est brillant, la Chine arrive en force. Nouvelle médaille d'or pour la natation américaine il y a une demi-heure. Nouveau record du monde aussi, record du monde battu dans le relais du 4 x 200 mètres libre masculin, parcouru en 7 minutes 18 secondes et 87 centièmes. Les records ne sont pas enregistrés seulement dans les arènes olympiques, ils le sont aussi aux abords des stades, car le marché noir bat son plein à Los Angeles. Les petits malins réussissent à revendre des billets 19 fois leur prix, jusqu'à 9000 francs français. Mais en Californie, il est tout à fait légal de revendre des billets. Vincent Guérard. Cet homme cherche à se procurer un billet pour une compétition. A priori, pas de problème. Le comité d'organisation des Jeux disposerait encore de 600 000 billets en vente au tarif normal. Mais s'il y a de la place pour toutes les séries, les éliminatoires ou les qualifications, ce ne sera pas le cas pour les finales. Où donc trouver le billet pour le match souhaité? Dans cette agence californienne, un homme exploite un filon particulièrement rentable. J'achète mes billets à Londres, par exemple, et je suis sûr de les revendre. Des gens sont prêts à payer le prix fort. À qui achetez-vous ces billets? Eh bien, j'achète ces billets, les billets de ceux qui ne peuvent pas aller au jeu, ceux dont la femme est malade, et je leur offre en même temps une bonne prime pour cela. Opération tout à fait légale en Californie, le métier de revendeur est reconnu. Ainsi, Jerry Adelman vend certains billets 1000 dollars, soit 8900 francs français, le prix de vente normal, multiplié par 10. Il est sûr aussi d'attirer les clients, puisqu'il affirme haut et fort qu'il peut procurer des billets pour n'importe quelle épreuve. 8 millions de billets environ seront vendus au cours de ces jeux. Les revendeurs de billets ont quelques beaux jours devant eux.
Les Jeux Olympiques sont aussi l'occasion pour des milliers de touristes et des millions de téléspectateurs de découvrir Los Angeles. Los Angeles où même les murs se sont fait une beauté, comme l'a constaté Claude Gaignère. I have a picture pinned to my wall. Nouvelle expression populaire et accessible de l'art, les murales font aujourd'hui la fierté de Los Angeles. Ils ornent les bords d'autoroutes, masquent les façades des usines, ennoblissent le béton. Ils annoncent des jours meilleurs ou des malédictions, racontent l'histoire de l'Amérique et entretiennent les mythes. C'est la parole au peuple, le langage des murs, le nouveau graffiti à l'américaine. C'est aussi beaucoup de travail. Ken Twitchell a commencé ce mural il y a 7 ans. En pleine exécution, pas satisfait, il l'a refait. La façade ensuite était ravalée. Kent espère maintenant finir dans 1 an. C'est toute une technique. Il prend des photos des sujets qu'il veut immortaliser, fait un dessin, une maquette, la découpe en carré. Chaque carré est ensuite reproduit sur de grandes feuilles de papier, environ 200, à la taille du mural. Une idée de l'échelle, voici simplement un pouce et ma main à côté. C'est d'une incroyable précision, d'un détail inouï. Chaque feuille sera ensuite décalquée sur le mur et peinte. Maintenant, ce qu'il y a de beau aussi dans les murales de Kent, c'est la façon dont il en parle. Je peins chaque pièce aussi parfaitement que j'en suis capable, comme si je la peignais pour un musée et qu'elle devait durer éternellement, exposée au Louvre. Mais je sais qu'elle est vulnérable aux éléments, au graffiti, au vandalisme, au smog, au temps. Ça lui ajoute quelque chose. Quand une personne la voit, cette vulnérabilité lui apparaît et j'aime ça. Elle accorde à ma peinture plus de valeur, cette notion est intéressante. Kent, professeur de dessin, est parfois payé pour ses murales. Par la municipalité, un grand magasin, une banque. Parfois pas. Par exemple, pour ce Jésus vengeur, il n'a pas trouvé de mécène. Il l'achèvera seul. Celui-ci lui a été commandé par le comité olympique pour les Jeux, sans doute le plus beau de la ville, un couple qui se regarde, peut-être s'appelle, séparé par une autoroute, pour l'éternité, le symbole de Los Angeles, que voit chaque semaine 1,5 million d'automobilistes. Ce n'est pas à Los Angeles, ce n'est pas à Hollywood, mais à Paris que l'on tourne ces jours-ci le nouveau James Bond. Son titre, La chasse à mort. Et les effets sont bien entendu spectaculaires. Frédéric Blassel. Non, ce n'est pas un touriste désespéré, c'est du cinéma. Le nouveau James Bond est arrivé. Premier tour de manivelle à Paris, ce matin pour le 14e film de la série, après Octopus 6. Ici, au pont Alexandre III, il ne s'agit que du tournage technique. Les vrais acteurs, eux, n'y sont pas. Les cascadeurs les remplacent, accompagnés, il est vrai, de quelques 130 figurants. John Glane est le réalisateur de ce dernier né des aventures de l'agent 007. Des aventures inaugurées à l'écran avec James Bond contre le Dr No en 1962. Aujourd'hui, la vedette Grace Jones sera la complice du chef des méchants, tandis que Tanya Roberts sera le partenaire féminin de notre héros. Mais place à l'action. Le cascadeur doit sauter sur le bateau-mouche qui passe sous le pont. Un essai, deux essais, trois essais... Non. Si, ça y est, cette fois, il a sauté, mais dans l'eau. Qu'allait-il faire sur cette galère? Poursuivre, bien sûr, son féroce ennemi qui vient de s'élancer avec un parachute de la tour Eiffel. Enfin, dans le film seulement. Pour une fois, le méchant descend du ciel. Et cette fois, aussi, c'est le bon qui tombe à l'eau. Heureusement, il faisait chaud. Tous les ans, à pareille époque, les mêmes régions sont frappées. Les incendies sévissent ce soir encore en France et le bilan est lourd. En Languedoc-Roussillon, en Ardèche, en Andorre, des incendies multiples ont éclaté aujourd'hui aussi aux portes de Lyon et de Saint-Étienne. Deux pompiers ont été légèrement blessés et un important dispositif est en place. Dans l'Hérault et dans l'Aude, en revanche, légère accalmie. Patrice Pellet. Depuis la reprise des incendies de forêt vendredi dernier, le feu a ravagé plusieurs milliers d'hectares. Après la Corse et les Bouches-du-Rhône,
D'autres incendies ont éclaté un peu partout. Certains ont tout perdu. On voit dans l'hôpital, on l'a repris hier. Rien que dans la forêt de Saou, pas moins de 7 points de mise à feu ont été découverts par les pompiers. La preuve, pour certains qui en doutaient encore, de l'origine criminelle de ces incendies. Les gendarmes recherchent un homme qui circulait à moto et qui pourrait être l'auteur de certains foyers. Dans l'Aude et dans l'Hérault, environ 2000 hectares de landes et de chênes ont été détruits. Au nord-ouest de Montpellier, la population locale a participé autant qu'elle le pouvait à la lutte contre le feu. Le premier s'était déclaré dans la commune de Saint-Paul-Valmal. Le second aurait été déclenché par l'imprudence d'un campeur qui allumait un barbecue. Imprudence ou malveillance, René Souchon, le secrétaire d'État à l'agriculture, en visite dans ces régions, répond. Nous verrons comment lutter au mieux contre ces pyromanes qui, chaque été, mettent le feu un petit peu partout et contribuent à détruire cette forêt méditerranéenne si belle et si essentielle du point de vue écologique, mais à terme du point de vue économique. Tous les riverains ne sont pas contents de voir le désastre d'une pinède. Enfin, surtout qu'il y a eu des maisons qui ont été bon léchées, il y a eu des pompiers qui ont été esquintés, enfin, il faut quand même comprendre, pour une bêtise humaine. Hier, Haroun Tazieff, le secrétaire d'État à la prévention des risques naturels, en visite dans l'Aude et l'Ardèche, a déclaré que les deux seules choses efficaces contre le feu sont l'intervention aérienne rapide et la participation de la population pour dénoncer les criminels. D'autre part, on apprend ce soir que deux nouveaux foyers d'incendie se sont déclarés dans la principauté d'Andorre et en fin de soirée aux portes de Lyon et Saint-Étienne. Des précautions élémentaires aussi à rappeler, éviter les mégots, éviter les grillades à l'air libre en pleine forêt, d'autant plus que la chaleur va continuer, Alain Gillot-Pétré. Oui, elle continuera, nous allons baisser dans les températures d'ici 2-3 jours, mais demain elle continuera et pourtant il va pleuvoir, nous aurons une douche écossaise, tant mieux pour les incendies de forêt à cause des orages qui vont les éteindre, je l'espère. Regardez la photo satellite, vous allez voir, ces orages, ils étaient ici sur l'ouest cet après-midi, une première bande de nuages qui approche vers l'est, mais qui est bloquée par l'anticyclone qui se trouve sur l'Europe centrale. Une deuxième, nettement plus active, qui arrive et qui va venir se coller à la précédente. Les deux vont quand même progresser demain d'ouest en est. Espérons donc qu'elles vont éteindre tout ça. Côté carte, regardez là, c'est simple. Sur le sud-est, en milieu de journée, c'est la carte du milieu de journée, n'est-ce pas, comme d'habitude. Sur le sud-est, donc, Midi-Pyrénées, Alpes, jusqu'à la Corse, c'est hélas du beau temps, avec du vent. Attention au vent de sud assez fort, ça pourrait encore réactiver les orages, réactiver les incendies, pardon, avant l'arrivée des orages, qui situeront des Pyrénées au Massif central, au bassin parisien au nord et au nord-est, des orages qui pourraient être assez actifs, tant mieux. Ensuite, ça s'améliorera de nouveau, le soleil reviendra baromètre en baisse, thermomètre en baisse. De 25 à 30 degrés sur la moitié nord, vous voyez que ça reste chaud, et de 25 à 32 degrés sur la moitié sud, c'est vraiment chaud. Demain, c'est le mardi 31 juillet, tiens, on termine le mois, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h22, couché 21h30, et c'est la fête de Saint-Ignace de Loyola. À 23h40, Roger Isabelle vous présentera notre dernière édition. À partir de minuit 20, heure française, 3h20 de l'après-midi à Los Angeles, les Jeux Olympiques, en direct donc de la capitale californienne. Demain, de 8h à 9h du matin, spécial JO et les premières informations de la matinée, à 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.